des centaines de bières. On va tout faire pour être dans les lois, pour être libre et pour pouvoir prendre ce qu'on peut. Tout à l'heure, je vous parlerai de la monnaie, la june, que je n'ai pas inventée, qui existe depuis 2017 et qui serait une bonne chose pour nous, pour se préparer au crash de l'euro. Qui sont venus, ils n'ont pas beaucoup dormi, ils vous proposent, on vous propose à manger, à boire, c'est gratuit, un peu de fraternité dans ce monde de brut, ça fait un peu du bien. J'aimerais commencer par un hommage à Steve et les 11 morts qu'il y a eu, Gilets jaunes, et passer une musique, une chanson militaire, mais qui a des textes qui peuvent nous aller, du fait que c'est un texte sur un ami qui est mort au combat. Je vais faire passer cette musique et après on se retrouve. Hommage à Steve et aux 11 morts gilets jaunes pour la cause de retrouver enfin une liberté, une démocratie. Dans ce pays qui devient vraiment une dictature.
ici pour lui. Certains disent que Paris n'est plus Paris. Paris, tout comme la France, il y a des révoltes, tout comme ailleurs dans le monde. Posez-vous la question, pourquoi ? Nous sentons dans notre inconscient la montée du mondialisme exclusivement matériel, où tout est lié à l'argent. Depuis l'euro, tout s'est dégradé. Le pouvoir d'achat, entre autres. L'Europe, à l'origine, pour l'échange culturel, était une très bonne idée. Mais elle est devenue rapidement une puissance économique. L'euro s'harmonisant avec le dollar. Ceci en prémisse de l'euro-dollar qui va arriver, vous verrez. Pour donner la puissance, sans nul doute, aux États-Unis. Pour éviter ce massacre, nous pouvons nous préparer à une monnaie libre. Par exemple, la jupe. On en parlera tout à l'heure à une heure. Qui nous libérerait pour les échanges quotidiens sans dépendre de l'État. La plupart des gouvernements gèrent de nos jours le monde d'après des tableaux de chiffres. C'est un monde qui devient totalement inhumain, ne pouvant apporter que de la destruction, alors que les dirigeants ont été élus pour servir le peuple. Donc les humains, mais non, une économie comme un désastre écologique de la montagne d'or, entre autres, dont M. Macron a été un initiateur en 2015 quand il était ministre, et a ouvert la porte à la déforestation de la forêt amazonienne, grand poumon de notre planète, environ 30% du poumon et de l'oxygène de la planète. Alors que l'exemple devrait être pris sur la Colombie, dont la forêt a été déclarée comme une entité possédant des droits. N'oublions pas nos ministres qui touchent 14 000 euros en moyenne par mois, et nos sénateurs, 8 000 euros pour certains dormir au travail et ne pas améliorer notre situation, ni celle de la planète. Qu'en est-il du détournement de fonds des 117 sénateurs ? Il est en fait important de revenir à la spiritualité. La France doit retrouver ses traditions régionales, ses cultures mises de côté, son artisanat, une éducation saine pour tous, le respect des autres, le respect de soi et le respect de la planète. Le respect de la vie, c'est à chacun de faire le pas pour aller vers cette transformation comme nous le faisons aujourd'hui, sans attendre des gouvernements. Avant de couper la tête des gouvernements, utilisons les lois existantes pouvant amener à une entente intelligente, telle que l'accès à la loi pour tous. Les référendums locaux qui existent, réinvestir des terres communales pour faire pousser nos fruits ou nos légumes sans pesticides, nous donnant plus d'autonomie et une meilleure santé, ce qui mettra fin à l'importation industrielle, dont 45% des produits sont jetés à la poubelle avant même d'être mis en vente dans les supermarchés. Nous sommes là. Encore dans la rue, ça fait plus d'un an. Encore aujourd'hui pour vous dire que nous n'attendons plus rien de vous. Chacun d'entre nous voit son voisin comme son frère. Et vous pourrez tenter de nous diviser avec ces images que vous fabriquez sur nos écrans pour nous dévier de la vérité, avec ces discours mensongers et vos prises de décision de plus en plus totalitaires. Nous savons maintenant d'où vient le mal. Il ne vient pas des chômeurs, il ne vient pas de l'immigré. Non, il ne vient pas de l'handicapé, M. Macron. Il n'y aura pas de guerre civile comme vous le voulez.
et nous vous le disons une seule fois aujourd'hui, nous n'avons pas peur. Continuez à diminuer les APL, continuez à fermer les robinets financiers au peuple et aux services publics. Nous nous organisons, nous récupérons, nous partageons. Et entendez-le, cela ne fait que commencer. Nous devons impérativement sortir de ce système totalement destructeur. Réveillez-vous, réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Bonne journée à vous. À Paris pour essayer enfin d'essayer sans avoir de mouvement, essayer d'échanger entre nous. J'aimerais vous faire comprendre que cette organisation n'est pas évidente. On nous a fait retirer la tonnelle parce que ça n'était pas marqué sur le papier de la préfecture alors qu'ils étaient d'accord oralement. Donc ce que je disais tout à l'heure, il faut être dans les lois. Donc on va tout faire pour être dans les lois, pour être libre et pour pouvoir prendre ce qu'on peut. Tout à l'heure, je vous parlerai de la monnaie, la june, que je n'ai pas inventée, qui existe depuis 2017 et qui serait une bonne chose pour nous, pour se préparer au crash de l'euro. Je voudrais un grand merci au rond-point de Fontainebleau où je suis, qui sont venus, ils n'ont pas beaucoup dormi, on vous propose à manger, à boire, c'est gratuit, un peu de fraternité dans ce monde de brut, ça fait un peu du bien. J'aimerais commencer par un hommage à Steve et les 11 morts qu'il y a eu, Gilets jaunes, et passer une musique, une chanson militaire, mais qui a des textes qui peuvent nous aller du fait que c'est un texte sur un ami qui est mort au combat. Je vais faire passer cette musique et après on se retrouve. Au mort Gilets jaunes, pour la cause de retrouver enfin une liberté, une démocratie dans ce pays qui devient vraiment une dictature. Alors, une minute de silence.